Bon alors aujourd'hui, tu nous parles de ton ravitaillement marathon ? Yes, on va parler ravitaillement marathon. Un sujet évidemment qui est crucial si on veut réussir sa course. Et ça fait plusieurs semaines, je dirais presque plusieurs mois, même plusieurs années, vu que sur le triathlon, je commençais déjà à travailler ça fortement, que j'essaye de trouver la bonne formule en fait. Et la bonne formule, c'est d'essayer de maximiser les glucides qu'on va ingérer tout en évitant les problèmes gastriques qu'on peut avoir si on en prend trop. Donc la bonne formule en fait, elle est compliquée à trouver parce que c'est notre formule. Chaque corps est différent et du coup, la seule formule qui est la bonne pour nous, c'est celle qu'on a testée et qui fonctionne. Mais pourquoi c'est mieux de prendre plus de glucides sur marathon ? Alors en fait, il faut qu'on revienne un peu à la base de comment notre corps fonctionne pour créer de l'énergie. Il peut utiliser les lipides et les glucides pour l'endurance. Et du coup, les lipides, c'est pas un souci. On pourrait courir plusieurs marathons sans problème en se basant juste sur les lipides parce qu'on en a un stock énorme dans notre corps. Même quand on est affûté, en fait, on a énormément de réserves de lipides dans le corps. Par contre, les glucides, on en a beaucoup moins. Et le problème des lipides, c'est qu'ils sont compliqués à aller utiliser. Ça prend du temps pour créer de l'énergie avec les lipides et du coup, on peut juste courir très lentement en les utilisant. Donc, sur un marathon, on veut quand même courir à un pace qui est quand même assez élevé, même si ça reste de l'endurance. On a besoin d'énormément de glucides. Et dans les muscles, les glucides, on en a pour courir peut-être 1h30 à 2h selon comment on a maximisé ses réserves avant la course. Et dans tous les cas, ça ne suffit pas pour aller au bout du marathon. C'est pour ça que dans beaucoup de cas, si on ne gère pas suffisamment bien son ravitaillement, on se prend le mur en pleine face, c'est-à-dire plus de glucides, et le corps, il passe en mode « Ok, je vais faire avec les lipides ». Et là, il est obligé de nous ralentir fortement pour qu'on puisse continuer de courir. Et là, c'est ce que j'appelle la marche des zombies à ce moment-là. Et du coup, ingérer un max de glucides pendant l'effort, ça permet d'éviter de prendre ce mur parce qu'en fait, on va remplacer plus ou moins les glucides qu'on consomme pendant l'effort. Je dis plus ou moins parce que à allure marathon, on va dépenser, selon la vitesse à laquelle on court, entre 600 et 1000 calories par heure. Et le maximum du maximum qu'on pourrait ingérer, au final, si on a vraiment un système qui est très bon à ça, c'est 100 g de glucides par heure, ce qui correspond à 400 calories. Donc dans tous les cas, quelle que soit son allure marathon, on va être sur un déficit calorique qui va s'augmenter petit à petit tout au long de la course. Donc remplacer, ça aide juste à prolonger un effort soutenu plus longtemps. En fait, la manière dont on devrait décrire le ravitaillement sur marathon, c'est de repousser le mur du marathon le plus possible. Et idéalement, si on est parfait dans sa gestion, le mur du marathon, il arrive au 43e kilomètre, donc après la finish line. Mais c'est quoi la règle ? Combien il faut en prendre idéalement ? C'est tout le problème en fait, c'est ce que je disais, c'est que la règle, il y en a une, mais en fait, faut pas l'appliquer à la lettre parce que chaque personne va réagir différemment. Il y a des gens qui vont avoir du mal avec leur ravitaillement à partir de 30 g de glucides par heure. On sait que, en tout cas, on nous dit que Kipchoge, il arrive à faire ses marathons en 2 heures en allant à 100 g par heure de glucides, ce qui est le max que le corps peut ingérer. Moi, j'étais entre 60 et 80 g par heure sur tout ce que j'ai testé dans ma prépa. Ça a plutôt bien marché. En fait, sur les sorties longues que j'ai faites, parce que c'est sur les sorties longues qu'on veut le tester, on veut tester ça kilomètre après kilomètre, voir si ça, si on endure cette capacité à prendre beaucoup de glucides. Et je testais autour de 75 g par heure. Et ce que j'ai vu sur ma sortie la plus longue, le 2h35 que j'ai fait à Boucherville, c'est que au bout de 2 heures, quand même, ça commence à être un peu compliqué. J'étais aussi un petit peu en avance sur mon plan de ravitaillement, donc j'étais sûrement plus proche du 80 g par heure à ce moment-là. Mais à bout de 2 heures, j'ai commencé à avoir l'estomac qui me disait « Ouh, attention, ça peut être un peu plus compliqué sur la suite. » Donc, ma stratégie, ça va être de réduire un peu ça pour le jour de la course. Je vais aller sur du 65-70 g. Je ne vais pas prendre de risques. Je ferai d'autres marathons dans le futur où je pourrais potentiellement être plus agressif. Là, ce que je veux, c'est surtout pas être en mode survie, en mode j'ai envie de vomir dans les 30 dernières minutes du marathon. Donc, vaut mieux être un tout petit peu en dessous, être un petit peu safe que d'aller être le plus agressif possible et se prendre un autre mur qui est le mur du vomi. Donc voilà. Mais quand je donne ces chiffres-là, c'est les miens. Je les ai testés dans mes séances. J'ai joué un petit peu à la hausse, à la baisse.
Et ça va être différent pour chacun. Pour certains, ça va être 50 grammes par heure. Pour d'autres, 60, 70, 80, 90, 100. Je ne peux pas vous dire en fait exactement. Il faut y aller dans vos sorties longues et voir comment ça fonctionne. Mais alors, tu as validé quoi comme plan pour ce quatrième marathon? Alors, je vais utiliser tout ça. Je vais prendre dans la main, ce sera plus simple. Je vais utiliser en fait une stratégie un peu mixte parce que je vais faire à la fois des gels et de la boisson énergétique. Parce que je trouve que ça marche plutôt bien avec moi. Grosso modo, ma stratégie, ça va être, comme je disais, autour de 70 grammes par heure. Ce que je vais faire, ça va être d'avoir des petites gourdes souples, en fait, comme celle-là. Et je vais en avoir 3 tout au long de la course. Elles font 250 millilitres. Et dans ces gourdes-là, je vais mettre un demi drink mix de Morten. Donc ça, c'est le Morten 320. Donc là, dans un sachet comme ça, il y a 80 grammes de glucides. Et donc, ce que je vais faire, c'est que je vais en mettre un demi dans 250 millilitres d'eau, ce qui va me tenir environ une heure, en fait. Et dans cette heure-là, j'aurai aussi un gel. Donc là, c'est pareil, c'est du Morten aussi. C'est, ça s'appelle le gel 100. Donc là, je crois qu'on a 25 grammes de glucides par heure, par gel. Donc du coup, un demi comme ça, plus un gel, ça va me faire 40 plus 25, on est à 65 grammes. Et comme je vais courir environ moins de 3 heures, on va être sur du 70 grammes par heure en moyenne parce que je vais faire ça 3 fois. Du coup, si je veux être un peu plus précis, ça va être une gourde pour une heure, donc 40 grammes de glucides par là, et un gel que je vais prendre à 40 minutes, un autre que je vais prendre à 1h20 et le troisième à 2h. Et éventuellement, si je sens que niveau de l'estomac, c'est un peu compliqué, je décalerai le deuxième gel à 1h30 et le troisième à 2h15 pour éviter de saturer mon estomac. Mais t'as pas pris de gel à la caféine, est-ce que c'est voulu? Oui. C'est vrai qu'avant, sur mes courses, je prenais toujours des gels avec de la caféine parce que d'une, je suis un accro au café au quotidien. Donc si au quotidien, on a du café pour vivre et que pendant la course, on n'a pas cette sensation de caféine, on a un peu comme un drop d'énergie, on a l'impression qu'on devrait aller se coucher. Donc j'aime bien avoir un peu de caféine pendant la course pour juste me sentir normal. Et avant, je le prenais dans les gels. Là, chez Morten, en fait, j'ai pas pris le gel caféiné parce que je l'ai testé. Je suis pas fan du goût. Il y a un goût que j'aime pas et j'ai pas envie d'avoir cette sensation pendant la course. Et la deuxième raison, en fait, c'est que depuis le triathlon, j'ai trouvé une autre méthode qui coûte moins cher parce que quand on a de la caféine dans les gels, en général, c'est un bon argument pour les marques pour dire « Allez, un petit dollar de plus par gel. » Alors que j'ai ça, donc c'est des petites pilules qui en fait contiennent de la caféine. Je pense que j'ai payé la boîte de 35 dollars ou quelque chose comme ça. Donc en rapport qualité-prix, là, je vais me mettre une petite pilule de caféine dans mon cuissard et puis je la prendrai au bout de, je pense, une heure et quart de course pour que ça fasse effet sur la deuxième moitié. En fait, ça me paraît hyper précis tes doses. Sur les marathons précédents, tu faisais quoi en fait? Pas grand-chose. Non, honnêtement, j'ai vraiment step up sur ce sujet-là depuis le triathlon parce que sur des courses de 4 heures, c'est 4 heures et demie, c'est même encore plus important que sur marathon parce que si on drop d'énergie, ça devient la galère. Grosso modo, mes derniers marathons, c'était 2017 et 2018. J'étais pas à ce niveau-là en termes de connaissances sur le sujet et je crois que je visais environ 30 grammes par heure de glucides. Et bizarrement, je me prenais un mur dans la troisième heure. Je dis pas que je vais pas le prendre sur le marathon dimanche, mais j'ai tendance à penser que ça va se passer beaucoup mieux sur la troisième heure avec la stratégie que j'ai aujourd'hui. Comment tu vas porter tout ton ravitaillement? Ouais, c'est une bonne question parce que depuis que j'ai décidé de faire à la fois des gels et du liquide, le liquide, ça fait 3 gourdes de 250 millilitres. C'est pas énorme, mais il faut quand même les porter. Là, je vais pas avoir mes 3 gourdes dans la main pendant toute la course. Donc, grosso modo, l'option que j'ai presque validée, j'ai encore un petit doute sur le choix du cuissard, mais ça va être un cuissard avec plusieurs poches. Donc, je vais pouvoir mettre un bidon devant, un derrière, et puis j'en aurai un dans la main, et puis les gels dans une poche. Et de toute manière, l'équipement, on en reparle parce que c'est la vidéo de demain.